nouvelles, on part à la montagne avec Richard. Et Tristan passe ses vacances dans une station juste à côté de la nôtre. Du coup, on prend le même train et ça, c'est hyper chouette. Bon, ce qui est moins chouette, c'est qu'avant de partir, on doit attraper la flaque. Enfin, un chat choumou. Ou Mongo Elvis, quoi. Ou tir au flanc, si vous préférez. Enfin bref, on a un fauve à mettre en cage. Heureusement, on a tout prévu. Alors, Richard, notre taxi est arrivé. On descend. Désolé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, une histoire de pot de fleurs. Bon, on a 10 minutes pour arriver à la gare. Quoi? Tristan doit déjà m'attendre. Si je rate ce train, je préfère que mon âme se consume dans le magma du désespoir et que mes cendres se perdent au milieu de la poussière noire et de l'oubli éternel. Pas de panique, ma louloute. 10 minutes, on est large. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce train couchette. Il desservira les gares de Charogne, Boulay-Vaches, Montréal-les-Ballots, Saint-Léon-des-Bois, Morninges, Mignon-Val-des-Naz et Sellières-Super-Chevel. Allez, ma louloute, fais pas la tête, quoi. Le train de nuit, c'est sympa aussi, non? Pour toi, évidemment, tu vas passer une nuit de rêve avec Richard. Bon, bah, je vais téléphoner à Tristan. Ensuite, je pourrai déprimer jusqu'à notre arrivée à Super-Chevel. Oh, l'amour! Allô, Tristan, c'est Lou, j'ai un truc à te dire. Moi aussi, figure-toi que j'ai loupé notre train. Non. Ben si, à cause d'une histoire de pot de fleurs. Tu devineras jamais où je suis. Dans un train couchette qui va à 2 à l'heure. Comment t'as deviné? Je te raconterai. Quoi, tu y es toi aussi? Oui, on se retrouve. Ben oui, je suis dans un wagon de tête, je remonte le train à ta rencontre. Allez la flaque, tu as bien mérité de faire un petit tour. Oula. Non, qu'est-ce que... On dirait qu'il t'adore. Il est pas Mimi, ce chat? Mimi? Avec ses dents pointues et ses griffes acérées? T'aurais pas un problème avec les chats, toi? C'est juste que... Comment dire? Je les déteste, quoi. Moi aussi, je les détestais. Avant de rencontrer Chat Choumou. Je croyais qu'il s'appelait la flaque. En fait, il n'a pas de vrai nom. Mais tu vas voir, après une nuit passée ensemble, vous serez les meilleurs amis du monde. Oh. Billet, s'il vous plaît. Chat Choumou! Ne me dis pas que je vais devoir courir après mon futur meilleur ami. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Tu veux pas le redire encore une fois? Ça me donne des frissons partout. Tristan et toi, toute la nuit dans un train couchette? Oui. Là, on va se retrouver et ensuite, je vais vivre le voyage le plus romantique depuis le naufrage du Titanic. Jeune homme, vous tombez à pic, vous savez vous servir de vos pouces? Tu vois, la montagne te porte chance, la montagne, c'est magique. Tâche de ne pas faire un truc à la loupe, genre croiser Tristan sans voir. Oh, t'exagères, toi. Comment peut-on se rater dans un train? Allez, ciao. C'est ce bouton pour avancer et celui-là pour donner des coups de pied. Non, pas celui-là. Et voilà, vous avez pris une enclume sur la tête. Oh, ils sont agaçants, ces petits personnages. Oh, zut. Bon, on refait une partie, je sens que ça vient. Désolé, mais il faut que j'y aille. Minou, chérie. Minou, Minou, Minou. Bonsoir, madame. Tout va bien? Aïe. Tristan, salut. Dis, t'aurais pas vu mon chat par hasard? Il est comment? Ben, il a des pattes, une tête et une queue.
Non, désolé. Et vous, vous auriez pas vu Lou par hasard? Non. Bon, bah merci quand même. Mais elle ne doit pas être bien loin. Oh non, j'y crois pas, je l'ai raté. Mina va encore se moquer de moi. Lou! Solène! Chachou machin. Mongolo. Sac à puce ou. Sac à puce. Mesdames, messieurs, nous arrivons en gare de Charogne. Charogne, 2 minutes d'arrêt. Oh, bon sang. Mais il est où cette espèce de. Oh! Allez, le chat, viens. Minou, minou, minou. Il paraît que la prof de gym s'est dû refaire les paupières. Du coup, elle peut plus cligner des yeux sans que ça fasse remonter ses oreilles, tu te rends compte? Dingue. Dis, tu descends pas à Charogne par hasard? Non, je vais à Morninge. On a toute la nuit pour papoter. Génial, hein? Génial. Minou, minou, minou. Je t'ai eu. Richard? Richard, tu as le chat? Oui. Oui, mais il y a un petit imprévu. Je vais t'expliquer. Au fait, tu sais qui part au ski aussi? Tristan. Non. Si, comme je te le dis, si ça se trouve, il est dans ce train lui aussi. Alors là, ça m'étonnerait. T'imagines le voyage de rêve, une nuit entière avec Tristan? C'est qui? Personne. Lou? Bah, c'est Tristan. On a dû se rater. Alors, je retourne dans mon compartiment. À plus. Alors, je vais essayer de rattraper le train à vos les vaches. Oui, le chat va bien. À plus. Oui, à 25 ans, mon tracteur, mais il tire encore bien, hein? Oui. Il va pas plus vite que ça. Oh, bah si. Attendez que je passe la seconde. Accrochez-vous. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Je te trouve vachement secrète comme fille. C'est vrai, quoi? Tu racontes jamais rien sur toi. Vite, par ici, dépêche. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. En fait, je voulais te confier un super secret, justement. Un secret? C'est quoi? Allez, dis-moi, c'est quoi? C'est que... ben voilà, mon dessert préféré, c'est l'éclair au chocolat. Tu me prends pour une nouille? Mais pas du tout. C'est ça. Tu sais quoi? Ton super secret, il me donne envie de dormir. Bon, les vaches, 2 minutes d'arrêt. Waouh, mais c'est pas bien, je vois des saletés de chiennerie. Cousine, t'es où? Bah, il y a encore un petit imprévu, à mon avis. Je vais plutôt vous rejoindre demain matin à la gare de Morninge. Bonne nuit. Ok. Ben, à demain, alors. Bonne nuit. Hé, Tristan, c'est moi. T'es où? Bah, je vais me coucher. Désolé, mais je suis crevé, là. Et puis, je veux être en forme pour attaquer le ski dès demain. Je comprends. Bon, ben, bonne nuit, alors. Alors, ma louloute? Bah, t'es pas avec Tristan? Non. Il est... c'est compliqué. Et Richard, qu'est-ce qu'il fait? Il est... c'est compliqué aussi. Tu parles d'une nuit de rêve. Comme tu dis. Hier soir, je suis tombé dans le fumier.
Et c'est pour ça que tout le monde croyait que je puais des pieds. Bon neige, bon neige, 10 minutes d'arrêt. Tristan! Monsieur, la porte est bloquée. C'est fait exprès. Les premières voitures vont à Pignon-Val-des-Naz, les dernières vont à Sellières-Superchevel. Et là, ben, c'est pile la séparation. Quoi? Mais... Tristan... Le chat? Mais là... Hé! Richard! Tout va bien? Nickel, t'avais raison. Maintenant, lui et moi, on est les meilleurs amis du monde. Tristan? Dis, tu vois ce que je vois? Oui. C'est beau, hein? Moi, ça me donne la pêche d'un seul coup. Tu m'étonnes, moi aussi. C'est peut-être vrai, alors. Quoi? Que la montagne, c'est magique. J'ai parlé à Tristan pour la première fois, il a plu toute la journée. Ma robe ressemblait plus à rien, mes cheveux non plus d'ailleurs. J'étais trempée jusqu'aux os, mais c'était le moment le plus romantique de toute ma vie. Quand il m'a donné son numéro de téléphone portable, j'avais les mains toutes moites. Heureusement, tout s'est bien passé. La honte, sinon, quand on échange son numéro de téléphone, c'est un peu comme un mariage, non? Et maintenant, tu comptes t'en servir ou tu vas l'exposer dans un musée? Ben oui, y a pas le feu non plus. Et puis, c'est pas à moi de l'appeler en premier, hein. Je suis une fille, ça ferait trop... Ça ferait trop, quoi. Eh ben, trouve un prétexte pour l'appeler, alors. Un truc qui fasse pas trop, comme tu dis. Je sais, il aime la musique. Je vais lui laisser un message musical. Ah ouais, ce sera hyper romantique. Main? Ouais, on arrive. Ta mère dîne avec nous. Quoi? Ne t'inquiète pas, Mina chérie, je ne suis pas venue pour te ruiner la soirée. En revanche, ton père, lui, n'a pas hésité à gâcher la mienne. Vous vous êtes disputée, c'est ça? Non. Ton père a eu la gentillesse de me dire que j'étais une psycho-rigide maniaque de l'organisation. J'ai donc décidé de prendre du recul pour réfléchir à cette pertinente remarque. Ouais, ok, c'est bien ce que je dis. Vous vous êtes disputée. Bon, je voulais préparer un bœuf bourguignon, mais je n'avais ni bœuf ni bourguignon. Alors, c'est spaghetti party. Ouais! Oh, des spaghettis, comme c'est amusant. Robert n'a aucun sens de l'organisation. Imagine, il refuse de ranger ses vêtements par ordre alphabétique. Dingue. C'est comme pour les placards de notre cuisine, figure-toi qu'il met toujours tout en vrac. Chez toi, je suis sûre que c'est hyper bien rangé, hein? Oh, ouais, c'est pas ça non plus. Oui. En fait, niveau organisation, je suis... pas très bonne. C'est étonnant. Mais alors, comment fais-tu pour écrire efficacement ton roman? C'est-à-dire que j'écris pas très efficacement, justement. Ne m'en dis pas plus. Je sais ce qu'il te faut pour retrouver ton énergie. Des nouveaux jeux vidéo? Non, un coach. Mm-hmm. Choix de la chanson. Alors là, attention, s'agit de pas se tromper. Voyons, le téléphone sonne de Jean-Jacques François.
Oublie, c'est un vieux disque de ma grand-mère. Attends, Stacy G, j'ai grave besoin d'amour. Mais t'es dingue ou quoi? C'est trop clair comme message. Oh, bon, alors... ça y est, j'ai trouvé. Écoute-moi cette merveille. Oh. Tiens, prends ça, sale petit gnome bouffi. Les jeux vidéo avant de dormir favorisent les troubles du sommeil. Mais pas de discussion. Allez, hop, au lit. Alors, qu'est-ce qu'on dit à son coach? Pitié? Non, on lui dit merci de veiller sur mon précieux sommeil. Quoi? 6 heures? L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je t'attends à la cuisine. Ah! Petit déjeuner macrobiotique, c'est parfait pour l'inspiration. Tofu au céleri, pain au céleri et fromage blanc... Au céleri. Non, nature. Tu as 5 minutes pour manger. Enfin, là, tu n'as plus que 4 minutes 35. Au programme, tu écris de 7h à midi, 2 pages par heure, avec une petite pause de 5 minutes à 10h. Je ne suis pas un bourreau tout de même. Allez! Et médite cette pensée de Maître Kato. Ne gagne pas après avoir frappé, mais frappe après avoir gagné. Prête? Prête. Hey, salut, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou. Tu sais, la fille sous la pluie, là, tu te souviens? En fait, j'ai découvert une chanson géniale que j'aime bien et je voulais te la faire écouter, quoi. Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Et c'est pour ça que je croyais que c'est pas vrai! Mais quelle croûte débile, ce chat! Hier soir, je suis tombé dans le fumier. Votre message a bien été enregistré. Vous pouvez raccrocher. Non! Lou, je t'en prie, sors de cette malle! Non, plus jamais! Tristan n'a pas pu écouter ton message à cette heure-ci, il est encore au water polo. Alors on va aller à la piscine, récupérer son portable et effacer le message. Ni vu, ni connu. Tu crois? Ça y est, il est là, je le vois. Oh là là, là, il est trop beau avec son bonnet. Regarde plutôt son poignet, voir s'il a sa clé de vestiaire. Ben, il bouge tout le temps les bras, c'est pas évident. Hein. Pff, en tout cas, je vois pas de clé. Laisse tomber, ça sert à rien. Attends, il l'a peut-être laissé sur les gradins, avec sa serviette, par exemple. Pff, je vois rien d'ici. Il faudrait que j'aille au bord du bassin, mais il va me reconnaître. Bah, pas forcément. Hein? Vas-y, passe. Alors dites donc, faut pas vous gêner. Non, mais c'est parce que on avait besoin pour la clé. Enfin, je veux dire, je pouvais pas. Désolée, madame. Vous là, mon casier, faut pas vous gêner. Comment ça, votre casier? Casier numéro 9. Ah, ben oui, je me suis trompée. Tenez, redésolée. Bande de jeunes, va. Je vais au marché bio. On va manquer de céleri. Oh. N'y pense même pas. Dommage pour toi, il manque les piles.
j'ai pris les dés, c'est pas l'heure du tripot. Au boulot. Oh ah. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui à 9h47. Hé, hey, c'est Lou. Tu sais, elle a tapé 1 pour rappeler votre correspondant. Oh, Lou, ils ont fini de jouer. Faut aller remettre la clé sur la serviette de Tristan. Allez, grouille. Nous n'avons pas compris votre demande. Tapez 1 pour rappeler. Nous n'avons pas compris votre demande. Encore vous? Non mais, vous allez me laisser tranquille à la fin. Rendez-moi ma serviette. C'est moi. Je t'ai ramené du céleri et plein d'autres choses hyper saines. Tu as fini tes pages? Mm-hmm. Je peux les lire? Je t'en prie. Tout va bien, Joss 41? Affirmatif, réorganisation du vaisseau achevée. Parfait, on va passer en vitesse lumière. Allons. J'ai pris la liberté de réorganiser le tableau de bord. Pour enclencher la vitesse lumière, il faut désormais utiliser le levier du pilotage automatique. Pour lancer le bouclier à neutrons, il faut se servir des manettes des moteurs auxiliaires. Le système de reconnaissance spatiale se trouve... Sympa. Je fais tout pour t'aider, et c'est comme ça que tu me vois, comme un insupportable robot que tu largues dans l'espace. Non, enfin, je veux dire... Oui, bah quoi, reconnais que parfois t'es un poil maniaque, non? Heureusement qu'il y a des maniaques comme moi pour assister des adolescentes attardées comme toi. Et heureusement qu'elles sont là pour t'héberger, les ados attardés. Franchement, j'ai rarement passé une aussi mauvaise journée. C'est lui? Qu'est-ce que je fais? Bah, vas-y, décroche! Allô? Tiens, salut! Mon message? Ah bon? Ah, génial! Oui, c'est sûr. Ok, bye! C'est fou! Il a eu mon message et il l'a trouvé rigolo! Tu te rends compte? Il m'a trouvé drôle! Oh, c'est magnifique! Attends, tu crois qu'il me voit comme la bonne copine rigolote? Non! Si, 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 c'est ça, je l'ai bien senti à son intonation de voix. En fait, je passe pour le clown de service, quoi. Stop, cette fois, ça suffit. Tu vas l'appeler, lui faire écouter ta chanson et basta, ok? Ok. Coucou. Ça va? Tu fais quoi? Rien, je... ben... rien. C'est quoi ces gommettes? C'est un petit classement avec des indices de couleurs. Bleu pour les jeux vidéo de combat, vert pour les jeux de sport et rouge pour les jeux de stratégie. Pour l'instant, je n'ai utilisé qu'une seule gommette rouge. Ok, je suis peut-être un petit peu maniaque. Et moi, je suis peut-être un petit peu désordonnée. Désolée de m'être fâchée contre toi. Oh, désolée aussi. Au fond, t'es un bon coach. D'ailleurs, j'ai réussi à écrire mes pages. Mais faut pas trop te mettre la pression, si j'ai bien compris. T'es prêt? Oui. J'y vais, écoute. Sing your song.
journal. Ma mère et moi, on a un petit problème. Quand il s'agit d'avouer nos sentiments aux hommes qu'on aime, eh ben, il n'y a plus personne. On grenouille comme des idiotes, on accumule les gaffes, ou on se débrouille pour se retrouver dans des situations complètement stupides. Mais il faut faire face, hein. On va pas rester vieille fille toute notre vie. Ce serait super glauque. Là, on se retrouve dans une situation propice aux déclarations d'amour. Un plan montagne chez les parents de Richard, un voisin dont ma mère est plus ou moins tombée amoureuse. Dans une station juste à côté de celle où Tristan, le garçon le plus craquant du monde, passe ses vacances. Va falloir assurer. Alors, qu'est-ce que tu penses de Super Chevel? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? C'est Lou, juste pour te dire que je suis bien arrivée. T'as qu'à me rappeler pour qu'on se voit, hein, rapidement. Enfin, si tu veux, ou si tu peux, enfin bref. Allez, à plus. Maman. Oh, mon chéri, comme ça nous fait plaisir de te voir. Mon père. Vous pouvez m'appeler Didier. Bonjour. Enchanté. Oh, Didier. Ma mère, qui est aussi mère de Super Chevel. Bonjour, madame. Vous pouvez m'appeler Nicole. D'accord, Nicole. Et Pepo, mon neveu. Hey. Vous pouvez m'appeler Pepo. Bah oui, Richard vient de le dire. C'était pour rire. Et voici une copine. Enfin, ma voisine. Une copine, quoi. Et Lou, sa fille. Bienvenue à la montagne. Richard, on a une petite surprise pour toi. Ludmilla. Salut, trésor. Hein? Ludmilla, je... Rien de cassé, mais c'est quand même une bonne entorse. Ta semaine de ski est fichue. Et avec des béquilles, pas facile de bouger. Oh, t'en fais pas pour moi. Je vais trouver de quoi m'occuper. Je savais pas que t'étais fiancée. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu plus... Enfin, un peu moins... Pas la peine de te justifier. Après tout, c'est ton droit de te fiancer. Moi, je ne suis qu'une copine, ta voisine, quoi. Hey, Richard, prêt pour une promenade en amoureux? T'attends un coup de fil de ton amoureux, c'est ça? Ouais. Et il n'appelle pas, c'est ça? Non. Attention, car comme on dit par chez nous, à trop attendre le réveil de la marmotte, on loupe le chamois. Dis, si on allait visiter le village et ses environs, ça te changerait les idées, non? Bof. Allô, Joss, c'est moi. Oui, j'ai fait une horrible découverte. Le Yeti habite Super Chevel et il veut t'épouser? Pire, Richard a une fiancée. Aïe. Blonde, opulente, super canon. Aïe, aïe. Et pour couronner le tout, je me suis fait une entorse. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Rien. Statistiquement, une boiteuse ne peut rien faire face à ce type d'arme de séduction massive. Hé, hey, dis, c'est encore loin. Ça y est, on est arrivé. Regarde. Alors? Wow, qu'est-ce que c'est beau! Là, à gauche, c'est le col du Bouzingue. Plus haut, c'est le pic de la Grande Frousse. Et à droite, là, c'est la vallée du Haut-Pavouze. C'est magnifique comme coin, hein? Mina? Alors, quoi de neuf? Bof, Richard a une fiancée, maman s'est fait une entorse et par-dessus le marché... Tristan m'a toujours pas appelé. Ça, on va le savoir. T'es avec quelqu'un? C'est qui? Oh, personne. «
La planète Bac à glace était battue par un vent de 478 km/h. Crevasse, la terrible reine blanche, avait enfin réussi à mettre la main sur l'infortuné prince Fulgor. Libérez-moi, Crevasse! Vous me faites froid partout! Laisse-toi faire, petit frisquet. Je vais te faire connaître le côté givré de l'amour. Écoutez, c'est très gentil, mais il se trouve que je suis déjà plus ou moins engagé. Et enfin, je suis amoureux, mais j'ai pas osé lui dire encore. Elle aussi, je crois qu'elle est... Enfin, disons que c'est compliqué. Voilà! Tiens, c'est marrant, ça, c'est justement la fille dont je vous parlais. Et vous lui dites rien, parce qu'elle doit pas savoir que... Enfin, vous voyez, quoi. Par la cosmopeste! Attention, prince Fulgor! Ne regardez pas ses yeux! Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont, ces yeux? Oh, tiens, je me sens bien tout d'un coup. Et voilà, maintenant tu m'appartiens. Alors, prêt pour une promenade en amoureux? Je dis pas non, et on va aller où comme ça? Manger une petite glace? Non! Ah. Et voilà la fameuse croûtiflette, la spécialité du coin. C'est fait avec des croûtes de fromage et des croûtes de pain. Que des trucs que j'aime pas, quoi. Tu veux autre chose? Oui, téléphoner. Entrez. Comment ça va? Impeccable. Tant mieux. Je vous ai apporté ça, ce sont des antiquités, mais elles sont solides. Mon grand-père s'en servait quand il s'est cassé la jambe. Au ski? Non, dans ses escaliers. Merci, c'est gentil. Vous avez besoin d'autre chose? Vous savez où est Richard? Oh, chez Ludmilla, sans doute. Si ça se trouve, il est en train de la demander en mariage, j'espère. Quelle joie ce serait. À nous deux, crevasse. Vous dites? Non, rien. J'adore ce circuit de luge. Quand je le descends, j'ai une sacrée montée d'adrénaline. Un vrai bonheur. Vous n'avez aucun nouveau message. Pour revenir au menu principal, ça fait 1. Bon, allez, ça suffit maintenant. Hé! Si tu veux ton téléphone, t'as qu'à me suivre. Tu vas le regretter! Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Excusez-moi de vous déranger. Vous savez où habite Ludmilla? La fiancée de Richard. C'est ça, oui. Droit devant vous. Merci. C'était génial. On se la refait. Ok, mais d'abord je voudrais vérifier si j'ai un message. Tu peux me rendre mon portable, s'il te plaît? J'ai dû le perdre pendant la descente. Merci encore, Ludmilla. Oh! Ça m'a fait plaisir de te revoir. On a passé un moment super sympa, mais là, il faut que j'y aille. Au revoir. Désolé. Écoute, je t'aime bien, Ludmilla, mais je ne suis pas amoureux de toi, vraiment pas. En fait, c'est même un peu pour ça que je suis parti de Super Chevel et... Je sais, mes parents t'adorent, on a grandi ensemble, mais... Voilà. Tu te trompes, Richard. C'est moi, la femme de ta vie. Tu t'en apercevras avant la fin des vacances, tu vas voir. Allez, c'est pas si grave. On va trouver un autre moyen pour joindre ton Tristan.
Avec quoi? Des nuages de fumée? Un pigeon voyageur? C'est lui! C'est mon portable! Là! Vite! Ça y est! Allô? Salut, c'est moi. Je voulais juste savoir si tu vas mieux. Oui, j'ai retrouvé le moral grâce à un garçon formidable. Ah, Tristan? Non, Pepo. Hein? Bon, je te laisse, j'ai un bonhomme de neige à faire. Ok, à bientôt. Alors, comment ça va? Beaucoup mieux, merci. Et toi? Beaucoup mieux aussi. Lou, une petite partie de Krabazouk? C'est un jeu de société de la région. D'accord. C'est Tristan? Oui. Eh, tu sais quoi? On va d'abord se faire une petite partie de Krabazouk. Je le rappellerai après. T'es sûr? Bah oui, j'ai attendu son coup de fil toute la journée, alors il peut bien attendre 5 minutes, hein? Un peu comme les égouts ou un vestiaire de garçon. Non, je ne sens rien de tout ça. Je ne hume que le subtil fumet de mon ragoût de tête de poulet aux anchois. C'est une nouvelle recette. Oui, effectivement. Ça a l'air aussi délicieux que ta queue de morue au camembert. Quel dommage que je ne puisse pas en manger. Comment ça? Ne me dis pas que tu es allergique aux abats de volaille. Comme tous ces petits citadins chétifs, ça me mettrait en rogne. Pas du tout. Mais je passe la soirée chez Tristan. On va manger tous les deux et jouer à la console. Un super programme, quoi. On va bien rigoler. Tant mieux. Il y aura plus de poulet pour ta mère et moi. En fait, je crois que tu vas pouvoir te régaler toute seule. Maman dîne avec Richard. Quoi? Elle t'a pas prévenu. Ben, bon appétit quand même et bonne soirée, mamie chérie. À plus, je filoche. Voilà comment on traite les pauvres personnes âgées sans défense de nos jours. Belle mentalité, c'est pitoyable. Attention, chaud devant. Ça sent drôlement bon. Attends, ne me dis rien. C'est de la blanquette de veau, non? Eh bien, en fait, pas vraiment. C'est du couscous, mais l'important, c'est que ce soit bon, hein? Ok, j'avoue, je suis nulle en cuisine. Tant mieux, les femmes derrière les fourneaux, je ne trouve pas ça sexy. Moi, je trouve que les hommes qui font la cuisine le sont. Oh. Allô? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu une cuisine aussi mal rangée. Où as-tu caché le sel? Le sel? Il est dans le placard, en bas à droite. Désolée. Je disais donc que les hommes qui cuisent... Oh! Quoi encore? Permets-moi de te dire qu'il n'y a rien en bas à gauche. C'est normal, je t'ai dit en bas à droite. Tu disais?
Ah oui, que les hommes qui cuisinent... Bon, j'ai trouvé. Mais ton sel est d'une qualité très médiocre. Tu l'as récolté toi-même ou quoi? Maman, tu me casses les pieds. Vous avez commandé des pizzas? Ah, tu tombes bien! Solène et moi, on a une de ces faims! Solène est là? Ben oui, on est en pleine partie de Super Mario Kart! Je viens de terminer le circuit arc-en-ciel! Solène est vachement douée! Sans blague! On va voir ça tout de suite! Tu prends la gagnante, Tristan? Ok! Et quand tu te trouves au sommet tout seul, tu vois, perché à 4810 mètres, dans le silence et dominant le monde, des sensations incroyables t'envahissent. Et là, tu te dis, tu m'écoutes. Hein? Oui, oui, je t'écoute. Moi aussi, tu sais, j'adore le fromage au lait cru. Tu ne m'écoutais pas, tu pensais à autre chose. Ben, c'est ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez, même si elle est parfois... Un peu difficile. On peut dire ça, oui. Tu sais quoi? Tu vas régler cette histoire et tu reviens pour le dessert. Sinon, tu vas passer une mauvaise soirée et moi aussi. Ok, tu as raison. Maman? Maman? Allô? Yeah! Génial! Yeah! Alors, il est pour qui le maillot jaune, hein? Pour qui? Maillot jaune, c'est pour le vélo, Solène. Allô? Maman? Excuse-moi, je te dérange? Ben, un peu, oui, qu'est-ce qu'il y a? Désolée, mais tu sais où est mamie? Non, pourquoi? Elle n'est pas à la maison. Elle est peut-être sortie. Ben, oui, peut-être. Bon, je vais demander à Madame Schurme. J'aurai peut-être plus de chance avec elle. À plus, ma louloute. Ce matin encore, vos voisins du premier se plaignaient d'entendre des hurlements la nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fallait pas construire l'immeuble sur un cimetière indien. Bonsoir. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas vu passer ma mère ce soir? Oh, mais si. Génial. Et elle... elle vous a dit où elle allait? Payez-moi d'abord votre loyer en retard, ensuite on discutera. Yes! Maintenant à moi! À moi! Ouais. En fait, il est un peu naze, ce jeu. On y va? Tu es prête? Oui, allons-y. Non! Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Ma louloute, je suis inquiète. Mamie est partie toute seule à la supérette. Ah, et alors? Et alors, il pourrait lui arriver des bricoles. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à aller la chercher? Oui, tu as raison, ma louloute. J'y vais. À plus. Salut, Kader. Je suis à la recherche de ma mère. D'après Madame Schurm, elle serait sortie pour acheter du sel. Plus exactement, pour me faire déballer du sel sans rien acheter. Et... tu ne saurais pas où elle est, par hasard? Si, au centre commercial, soi-disant que mon sel est de mauvaise qualité. Au centre commercial? Yes! Ah, c'est enfin à moi! Maman, j'hallucine! Qu'est-ce qu'il y a encore? Mamie est partie au centre commercial. Je suis en route pour la rejoindre. Ah oui, et alors?
alors? Bah, je voulais te tenir au courant. Voilà quoi, c'est tout. Maman, tu sais quoi? Tu me casses les pieds! Tiens, c'est... c'est à toi de jouer, Lou. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute qui a mal tourné entre une vieille dame et un adolescent. C'est horrible! La vieille femme est blessée? Ah non, madame. C'est l'adolescent qui est en état de choc. La grand-mère est au commissariat pour subir un interrogatoire. Mais enfin, Lou, ça fait 3 fois que tu te manges les barrières de sécurité. Qu'est-ce qui te prend? Désolée, j'arrive pas à me concentrer. C'est à cause de ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez. Ben, dans ce cas, rappelle-la pour t'excuser, alors. Moi aussi, je suis désolée, ma louloute. J'ai bien gâché ta soirée. Mais tu sais, j'avais raison de m'inquiéter. Pourquoi? Ben, mamie est au commissariat. Hein? J'arrive! Alors, tu viens jouer? Ben, non. Il faut que j'y aille. Je dois aller chercher ma mamie. Apparemment, elle aurait attaqué le jeune homme en hurlant « Géronimo !» et ensuite, elle lui aurait cassé le nez à coups de parapluie. Lâchez-moi ou j'appelle la police. La police, c'est moi, madame. Ah oui, ben, y a vraiment pas de quoi être fière. Oh, ma graisse, et c'est moi qu'on arrête. Qui c'est, ces deux-là? Une paire de sauvages jaunes qui malmènent les personnes âgées sans défense? Désolée, il y a erreur, cette dame n'est pas ma mère. Allons bon, vous en êtes sûre? Mais elle est où, votre mère à vous? Ben justement, on n'en sait rien. Rassurez-vous, on a l'habitude. Généralement, les mamies fugueuses ne louperaient leur feuilleton pour rien au monde. Il suffit d'attendre. Et puis, si elles ont un caractère de cochon, personne ne les attaque. Non mais dites donc vous, rendez-moi mon parapluie, que je vous apprenne la politesse. Vous ne voulez pas l'emmener, vous êtes vraiment sûr? Oui, on vous la laisse. Mamie? Maman? Mais enfin, on t'a cherché partout. T'étais où? Je suis allée acheter du sel. Et ensuite, ça ne vous regarde pas. Ah ben si, ça me regarde. Figure-toi que j'ai traversé toute la ville pour te retrouver. Et moi aussi. J'étais morte d'inquiétude. Et moi aussi. J'ai gâché ma super soirée romantique avec Richard pour te chercher. Et moi aussi, ma super soirée romantique avec Tristan. Comme ça, vous vous faisiez du souci pour moi? Oui. Bien fait. Mais maman... Silence! C'est l'heure de mon feuilleton. Docteur Sanders, l'opération s'est-elle bien passée? Parfaitement. Vous avez maintenant 2 mains gauches. Mais c'est horrible! Je suis venue vous voir pour une appendicite. Il n'y a plus de Saint-Doux. Non, mais tu n'as qu'à filer en acheter, puisque tu adores aller à la supérette. Waouh! Regardez ce qu'on a reçu. Ça doit être Richard. Qu'il est mimi. Hé, hey, du calme, c'est peut-être Tristan. Ouvrez la carte au lieu de piailler. Un souvenir de vos têtes de poulet aux anchois. Et c'est signé l'ancien. L'ancien? C'est avec lui que t'as passé toute la soirée? De quoi je me mêle?
te réveille pas? Non, pas du tout. C'est que je suis embêtée parce que j'ai mon robinet qui fuit. Je me demandais si... Tu veux que je jette un coup d'œil, c'est ça? J'aimerais bien. Pas de problème. Le temps de boire un café ou deux, ou même trois, et j'arrive. Génial! C'est la fuite d'eau qui te met dans cet état? Oui, parce que dans 10 minutes, Richard sera là avec sa caisse à outils. Et alors? Et alors, c'est la situation idéale pour une déclaration d'amour. Comme dans les films, tu vois? Non, on doit pas regarder les mêmes films. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette voix mielleuse ridicule? Je te préviens qu'avec moi, ça ne marche pas, ce genre de comportement hypocrite. Maman? Tu es où? Devant la gare de ton ignoble ville polluée. Et laisse-moi te dire que je n'ai jamais vu un bâtiment aussi laid. Bon, j'arrive. Alerte rouge, mamie débarque dans une demi-heure. Faut tout ranger. Oui, mais surtout, il ne faut pas qu'elle voie Richard. Ah bon? Mais pourquoi? Si vous osez mettre un pied chez moi, j'appelle le garde champêtre. Des fleurs. Vous vous croyez déjà à mon enterrement? C'est quoi cette musique de sauvage? Vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Maman, elle est cassante avec tout le monde et spécialement avec mes amoureux. Bah, c'était il y a longtemps, elle a peut-être changé. Non, elle ne changera jamais. Du coup, ma louloute, j'ai un grand service à te demander. Dis toujours. Il faut que tu occupes mamie, que tu la retiennes loin d'ici le temps que je puisse. Enfin, tu vois quoi, avec Richard. Au nom de l'amour, je vais bien essayer. Bon, t'as besoin de combien de temps? Jusqu'à, disons, 16 heures? Impossible! J'ai rendez-vous à 14 heures au parc avec Tristan. Ok, on dit 14 heures alors. Mais appelle-moi avant de venir, histoire d'être sûre que le champ est libre. Ok? Bien, ok. Donnez-moi ça, espèce d'empoté! Hé, mamie! Ça sent toujours aussi mauvais dans ce quartier. Eh bien, reste pas planté là, laisse-moi d'en passer. Ben, c'est que... on ne va pas à la maison. Comment ça? Maman est partie à un rendez-vous de boulot, alors j'en ai profité pour nous établir un super programme. Oui, ben d'abord, je monte ma valise. Je ne vais pas la prendre avec moi avec tous ces délinquants qui se promènent. Laisse, je m'en occupe. Oh, qu'est-ce que t'as mis là-dedans, des dictionnaires? Ben oui, pour mes mots croisés. Je crois que je vais la laisser chez la concierge. Je reviens. Ouais, il y a un truc pas clair au niveau du siphon. Mais va falloir tout démonter. Ok, mais avant, si on prenait un bon petit déjeuner tous les deux, qu'est-ce que t'en dis? Pas d'accord. Une fuite, ça peut être très grave. Il faut que je m'y mette tout de suite. Je vais chercher mes outils. J'ai prévu d'aller au cinéma. Il passe à l'Humane, à l'Alhambra, vers 10h. À l'Humane? Qu'est-ce que c'est que ça? Un super-héros, un homme rien qu'en aluminium brossé. Pas question que j'aille voir ce film. C'est sûrement encore une de ces cochonneries pleines de violence. Donne-moi ça. Il ne joue pas plutôt un bon vieux classique de Café d'Épée? Tiens, voilà la marquise des gueux avec John Swamp. Madame la marquise, vous m'envoyez navrée. Et ma triste condition de bourreau m'oblige à vous torturer. Ah, à force de faire la coquette, elle l'a pas volée. Je sais que vous ne faites que votre travail, Fernando. Mais apprenez que jamais je n'avouerai où se trouve la cachette de Geoffrey, le prince des gueux. Non, mais quelle cruche avec son Geoffrey! Excusez-moi, madame, mais pourriez-vous faire vos commentaires un tout petit peu moins fort, s'il vous plaît? De quoi je me mêle, espèce de binoclard? Non, mais dites donc, restez poli. Un problème, madame? Oui, ce sauvageon m'empêche de regarder le film tranquillement. Quoi? Mais... non, mais c'est vous! Vous n'arrêtez pas de... Monsieur, voulez-vous bien me suivre sans faire d'histoire? Laissez, mademoiselle! C'est nous qui allons sortir! Ce cinéma est trop mal fait, mais j'ai peur qu'il ne m'arrive encore d'autres bricoles! Attends! Il est trop tôt pour rentrer, il n'est que 10h30! Et alors? Et alors, notre super matinée ne fait que commencer! Et si on allait au centre commercial? C'est les soldes! Il y a des îlotiers? Ben oui, enfin, il y a des sortes de vigiles, quoi! Alors d'accord! Il va falloir que je creuse pour mettre un pansement. T'es sûr? Parce que bon, c'était une mini-fuite en fait. Perceuse. Mmh.
Jennifer, je suis vraiment contente que tu sois ici ce matin avec moi. Parce que tu sais, tu es... Enfin, je te trouve vraiment adorable, aimable, embrassable. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Alors, résumons-nous. T'aimes pas les fringues parce que la mode actuelle est ridicule, tu détestes les parfumeries à cause de la mauvaise odeur, et tu trouves que les magasins de disques ne vendent que de la musique d'épileptique? Franchement, mamie, est-ce qu'il y a une seule boutique ici qui trouve grâce à tes yeux? Une seule, oui. Celle-là. Caput, spécialiste européen de l'extermination des nuisibles. Enfin, un magasin digne de ce nom, hein? Merci, madame. Alors, qu'est-ce qui vous amène? L'anéantissement des termites, l'extinction des rats ou l'apocalypse des cafards? La destruction des taupes. Je vois. Aïe, boost book. Clé 12. Et voilà. Évidemment, elle est trop grosse. Tournevis. Non, pas un plat, un cruciforme. Tu veux pas faire une pause, dis? J'ai acheté de bons sandwichs. Non, pas question. Tant que je n'aurai pas réparé ce bon sang de tuyau, je pourrais rien avaler. Le Stop Taupe Premium est à 96 €. C'est pas donné, mais il a été élu piège de l'année dans Taupe Mag. C'est hors de prix. Vous devriez avoir honte de vous engraisser sur le dos des pauvres gens. Je ne vous salue pas, monsieur. Attends. Ah, c'est pas vrai. Foutu matériel. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Une pause. Dis, tu ne pourrais pas t'intéresser un peu à autre chose qu'à cette satanée fuite? Il me semble que c'est pour ça que tu m'as appelé, non? Oui, j'aurais peut-être pas dû. Oh. Il faudrait savoir ce que tu veux. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause, moi aussi. Des quoi? Des choux de Bruxelles. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh, mais j'ai... Mais pas dans mes kebabs. Ben, vous avez tort. Vous venez de perdre une cliente, en tout cas. Allô? Non, c'est raté. Richard est reparti. Oh, je t'expliquerai. Oui, tu peux m'envoyer mamie. Je n'ai besoin de personne. Je vais la réparer toute seule, cette ridicule fuite d'eau, ok? J'ai faim. Dans cette ville, on affame les personnes âgées. C'est intolérable. Rentre manger à la maison si tu veux. Moi, je vais me balader au parc. Je t'accompagne. Une promenade digestive me fera le plus grand bien. Mais, mamie, t'as rien mangé? Dis donc, faudrait voir à pas me contredire toutes les deux minutes, hein? Ça coule toujours? Quoi? Tu peux peut-être trouver de quoi manger à la buvette? C'est ça, pour dépenser des fortunes et avaler des cochonneries surgelées? Non, merci! Hé, Lou, attends! Prête pour la balade? Tristan, je te présente ma grand-mère. Bonjour, madame. Eh, dis donc, mon garçon, c'est quoi cet accoutrement de voyou? Je t'interdis de fréquenter ma petite fille. Je vais vous laisser vous balader toutes les deux. À la prochaine. Salut, Lou. Tristan, attends-moi. Et voilà, encore une fois, on m'abandonne. Ah, triste monde. Excuse de m'être emporté, mais quand je bricole, je deviens carrément imbuvable. J'avais remarqué. Et puis moi, en fait, tu sais, je m'en fiche un peu de cette fuite, tu vois. Oh. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait ce satyre hirsute dans ta salle de bain? Richard, je te présente ma mère. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Je file. Bon vent. Et inutile de retenir. Ma
Una pizza au chou de Bruxelles? Madre mia, je vais la faire, mais uniquement parce que c'est vous. Au fait, elle t'a dit combien de temps elle restait? Malheureusement, non. Bouti, bouti, bouti. Ce qu'il est laid, ce greffier, et il sent mauvais. Je ne comprends pas pourquoi vous vous embarrassez de ce parasite. Je vous signale que j'ai réussi à réparer votre fuite, contrairement au pervers d'en face. Même pas capable de changer un joint de robinet. Wow. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pizza au chou de Bruxelles. Tu vas adorer. Ça m'étonnerait. Le chou de Bruxelles devient infect quand on le prépare avec de la tomate. Oh, quelle journée, mes aïeux.